c'est Sébastien. Donc, je suis actuellement en troisième année à l'ECAM, donc en première année de cycle ingénieur. Donc, avant l'ECAM, en fait, j'ai eu un parcours un peu spécifique. Donc, j'ai fait un DUT génie mécanique à Grenoble. Puis ensuite, j'ai décidé d'intégrer l'ECAM. Donc, pour cela, j'ai passé un entretien. Et au préalable, en fait, il fallait donner mon dossier auquel j'ai été accepté. Puis ensuite, j'ai passé un entretien. Donc j'ai choisi l'ECAM parce qu'en fait c'est une école généraliste. Donc en fait ça permet d'avoir une vision vraiment globale des choses, on va dire, et de ne pas être spécifique vraiment dans un domaine. Et ensuite l'ECAM elle propose également de nombreux doubles diplômes et de nombreuses opportunités à l'étranger, ce qui est vraiment intéressant je pense pour le parcours d'un ingénieur. Donc voilà en fait, je vais vous présenter une journée type à l'ECAM et voir un peu comment ça se passe une journée au sein de l'ECAM. En fait à la résidence Jean Bouisset, qui est la résidence qui est dans le campus. Donc en fait ce qui est pratique c'est que je me lève tous les matins 6h30 et du coup pour aller en cours c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je vais faire visiter un petit peu. Donc là directement en sortant en face, nous avons le bâtiment administratif, qui sont ces bâtiments là. Ensuite nous avons le bâtiment des alternants, donc on peut en fait rejoindre l'ECAM en deuxième année, en troisième année en alternance, donc il y a deux parcours. Donc là, vous pouvez voir le bâtiment ici. Donc ensuite sur la droite nous avons le bâtiment des où les prépas, en fait les préparants intégrés font cours. Donc ils sont ces bâtiments en fait, donc ils sont rattachés au Lazarite. Et ils dépendent de l'ECAM, ils sont rattachés aux Lazaristes et ils font leur cours en lien avec Lazaristes. Donc là, ce matin, on a 4 heures d'amphi. Donc on a 2 heures de matériaux métalliques et 2 heures de méca du flux. Donc en fait, le trajet, il est très 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 rapide pour moi parce que j'habite à la résidence. Et donc c'est beaucoup plus simple pour se lever et pour dormir. Donc voilà, là j'arrive en amphi. Donc on peut voir qu'il a été rénové et il a été on va dire disponible cette année, donc les locaux professionnels. Il y a des prises, ça c'est essentiel pour faire charger son téléphone. Et il y a 4 écrans aussi pour suite de course, et c'est vachement pratique. Ouais, mais j'ai la moyenne en et les tables aussi elles sont impeccables. Donc on n'a pas de soucis pour écrire, on va dire que les locaux sont vraiment bien. C'est au top pour travailler et étudier. Donc là, prendre un petit café, venez avec moi. Oh pardon. Bon bah ça te met pas alors. Ça les gars, vous allez apparaître sur le site de l'ECAM. Vous êtes heureux? C'était bien l'amphi ou pas? C'est un polo. C'est quoi là? C'est pour l'ECAM gros. Ça part? Ça part. Donc là on est en amphi de méca des flux. On travaille sur des applications industrielles. Donc ça c'est des turbines belles, c'est des turbines extérieures. C'est-à-dire qu'on a un jet bâton extérieur qui va venir percuter les ingénieurs. Ensuite après on aura des slides que le prof va passer. Vous remarquez qu'il y a un séparateur d'écoulement au centre.
Donc là, l'anti est fini et je vais aller voir le prof pour lui poser une question pour qu'il m'explique un point que j'ai pas compris. Pas de soucis sur le réacteur, donc le tube au réacteur. Donc l'idée c'est de gagner en débit quand il y a mouvement, c'est-à-dire qu'on va admettre ici en entrée de la machine de l'air frais. Pour gagner en débit quand il y a mouvement, il faut que la vitesse elle augmente. Et pour augmenter cette vitesse, simplement la stratégie c'est d'échauffer le fluide. Donc on injecte du kérosène, on crée une combustion, ça va générer une dilatation des gaz brûlés. Ces gaz brûlés, donc via cette dilatation, vont avoir une masse volumique qui va décroître. D'accord. Ah donc c'est assez gros là, c'est pas... Tout à fait, ça, c'est une masse volumique qui va décroître et donc par ce biais là on va avoir une vitesse forcément en sortie qui va augmenter. C'est la stratégie, le fait d'abaisser la masse volumique du fluide fait que forcément la vitesse d'éjection des gaz brûlés va augmenter, on gagne en débit quand il y a le mouvement et c'est comme ça qu'on crée la propulsion de l'appareil. D'accord, ok, très bien. Avec plaisir. Donc là on vient de finir nos 4 heures d'amphi, donc la matinée est finie. Donc là, on part, on monte à la cafétéria du Crous, donc qui se situe là-bas. Donc elle est neuve de cette année. C'est un point où on va dire on peut manger de la nourriture pour pas très très cher. Donc c'est assez pratique en fait. Et la vue est assez sympa. On vous montrera. Et du coup voilà, bon appétit. Pause du midi est finie, donc on a mangé. Donc en fait là vous pouvez apercevoir derrière moi la vue en fait qu'on a depuis l'esplanade. Donc en fait c'est sympa là parce qu'on peut se poser avec des amis ou quoi. Je sais que quand il fait beau, après là il fait un peu froid. Mais quand il fait beau la plupart du temps on peut se poser avec des potes. Franchement c'est sympa. Donc là il y a des cours, on a des bâtiments, enfin on a des cours d'anglais par exemple dans ces bâtiments là. Il y a un internat, il y a une résidence où on peut également les gens un peu, enfin ceux qui étudient à l'ECAM logent. En plus de la résidence Jean Bouisset où j'habite. On peut admirer. Et là il neige bien. Donc ça y est, on est descendu la pente. Là on est juste, je vais vous montrer, à marcher. On est juste à côté du bar de l'ECAM. Donc là où on peut se poser le soir après les cours. Pour éventuellement se poser avec des potes et parler un petit peu de notre journée, donc qui est juste derrière moi là, il y a les tables qu'on peut voir juste là, hop là. Et donc là on est parti pour 4h TP, donc j'ai matériaux métalliques, donc de toute façon vous verrez quelques extraits de ce à quoi ça ressemble, donc voilà. Et la résidence où je suis descendu tout à l'heure est juste au-dessus, donc c'est tout ça, la résidence Jean Bouisset. Et là je me dirige vers le bâtiment donc, des matériaux et structures où je vais avoir mon TP de matériaux métalliques. Donc le pôle matériaux et structures, c'est, on l'appelle exactement, le pôle masse. Et donc voilà, là je vais aller en TP. Donc là on est dans le labo. Donc on est en TP, donc on travaille sur les traitements thermiques. Donc en fait c'est tous les différents procédés qu'on va faire sur une pièce métallique pour modifier ses caractéristiques selon ce qu'on veut en fait. Donc voilà. Donc voilà, après-midi terminé. Après les 4h TP, donc on a fait un petit compte-rendu à la fin en fait. À chaque fin de TP, on fait un compte-rendu pour retirer les notions principales en fait de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc là, je vais passer vite fait chez moi, récupérer mes affaires de foot et ensuite on monte juste au-dessus de l'ECAM en fait, sur la colline de Fourvière à la Sarah pour jouer au foot. À savoir qu'il y a plusieurs AS à l'ECAM, donc il y a plein de sports, il y a rugby, foot. Il y en a toute une liste, donc c'est assez varié, il y a plein d'activités qui sont proposées, il y a des clubs aussi comme le club cuisine, le club robotique, le club Shell, le club pêche. Donc voilà, en fait il y a plein de propositions, on peut occuper nos temps libres à différents passe-temps. Donc voilà. Le
autre avantage aussi des CAM, c'est qu'on a une sortie qui mène juste à côté de la basilique ou la cathédrale. Je sais plus. La basilique ou la cathédrale ? Basilique. La basilique. Et donc là, en fait, on va directement au stade. En fait, on a une sortie qui mène directement au stade et là, dans 5 minutes, on y est. Et c'est vraiment à côté. Donc là, on a fini l'entraînement, on est redescendu à la résidence. En mode détente, là, on sort du foot. Et donc là, vous pouvez voir la cuisine. Et donc en fait, c'est des cuisines qui ont été refaites. Donc on a un peu tout sur ce qu'on a besoin. Donc là, on a on a deux plaques, un micro-ondes aussi pour faire chauffer nos plats. Et voilà. Donc voilà. Là, après, chacun va partir dans sa chambre où on va sûrement parler un peu. Selon ce qu'on a à faire ce soir, si on doit bosser ou juste parler tranquillement. Voilà, bonne soirée.